Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Recueillons-nous et prions. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur. Sanctifie ce feu nouveau. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fait de l'éternelle lumière par le Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, nous allons marquer le ciel pascal, des insignes pascal. Le Christ, hier et aujourd'hui, le commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire pour les siècles sans fin. Amen. Par ces saintes plaies, ces plaies glorieuses que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Thank you.
Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste. Priez pour nous. Saint Joseph. Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul. Priez pour nous. Saint André, Jacques et Jean. Priez pour nous. Sainte Delphine. Priez pour nous. Sainte Martine. Priez pour nous. Et Saint Thomas. Priez pour nous. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Saint-Esprit. Suspendu à la croix, il laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il donna cet ordre à ses disciples. Allez, enseignez toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, Seigneur Dieu, regarde le visage de ton Église. Regarde les serviteurs et servantes que voici, qui sollicitent le baptême aujourd'hui. Et fais jaillir dans ton peuple la source du baptême, que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que par le sacrement du baptême, l'homme créé à ton image soit lavé de toutes les souillures de sa condition ancienne et renaisse de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, par ton Fils. Par ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint descende dans l'eau qui remplit cette fontaine. Par le baptême, Delphine, Thomas, Martine, Thomas, qui seront ensevelis dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs,
Nous allons allumer nos cierges. Alors, chers frères et sœurs, en cette nuit précédente, l'Église nous invite à renouveler notre alliance avec notre Seigneur. Que de fois avons-nous été éprouvés au point de nous laisser fragiliser par ce monde et ses convoitises. En cette nuit où le Christ est ressuscité, eh bien, l'Église nous invite à entrer dans la grâce de la résurrection du Christ en renouvelant nos promesses baptismales. Ainsi donc, pour vivre dans la fidélité à l'Évangile du Christ et à votre baptême. Chère Delphine, Thomas, Bria, Martin, Romain, Gilon, rejetez-vous le mal et tout ce qui vous détourne de l'Évangile. Oui, je le rejette. Et vous, chers frères et sœurs, oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils, unique, notre Seigneur, en l'Esprit Saint, en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Oui, je crois. Oui, je crois. Et vous, chers frères et sœurs, oui, je crois. Telle est la foi de l'Église que nous sommes invités, appelés à professer avec joie, avec fierté, avec abnégation, renoncement à soi, avec oblation, don de soi, avec abandon. Alors, si telle est votre foi, que vous venez de proclamer, acceptez-vous d'être baptisé dans la foi de l'Église. Oui, je le fais. Chaque catéchumène est accompagné de son parrain et sa marraine. Et vous avancez, s'il vous plaît.
symbole du baptême, il nous rappelle que Jésus est ressuscité et que nous ressusciterons avec lui. Amen. Amen. Non, non, c'est la marraine. Non, c'est pas. Le témoin, bien. Ce blanc qui vous est donné aujourd'hui, veillez à le conserver afin que le Christ vous accueille un jour dans son paradis. Amen. Stéphanie. C'est pour Thomas. C'est pour Thomas, afin qu'il se rappelle son baptême et qu'il veille à garder pure son âme pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, les parrains vont remettre le cierge allumé. Le parrain de Martin. Le parrain de Delphine. Oui, on a posé la main sur leur épaule, symbole d'engagement. Le parrain de Thomas. C'est à vous, parrain, marraine, c'est à vous tous que ces lumières sont confiées. Le Christ nous dit que nous sommes lumière du monde. Veillez à entretenir cette lumière pour aller à la rencontre de celui-là qui est notre maître, lui le ressuscité. Pâques, que la prière de la communauté ici présente, de vos accompagnatrices, de vos amis, que leur témoignage vous soutienne à garder intacte cette lumière jusqu'à la rencontre du Sauveur, lui notre frère pour les siècles des siècles. Amen. Alors, les accompagnatrices vont leur remettre une croix à chacun. Cette croix qui nous rappelle notre dignité de frères et sœurs de Jésus-Christ. Ne courez pas. Prenez le temps de le faire et bien le faire. Voilà. Bon voilà, alors merci beaucoup. La paroisse vous promet un chapelet des 5 continents. Je vais demander à Jean-Marie, qui est le responsable de cette responsable émérite de la mission universelle, et bien de vous remettre ces lignes. Ah bon? Ah oui. Vous voulez remettre à chacun? Chacun. Oui, oui. C'est la manière à la paroisse de vous aider à évoluer dans la mission que le Christ vous confie en ce jour. Et pendant que, chers frères et sœurs, pendant que les baptisés viendront signer les registres, le Père Jean-Marie va passer pour nous donner l'eau baptismale. Cette aspersion d'eau qui nous rappelle notre baptême et en même temps nous rétablit dans notre
alliance avec le Seigneur. Je demanderai à Jean-Marie, mais je ne vais pas nous oublier, qui sort dans le cœur, moi si j'en ai besoin. Nous le voir avec nos sièges allumés et puis on prend j'ai vu le livre.
et de la communion de l'Église. Nous célébrons la nuit des saintes où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu, nous te prions. Sanctifie Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer le monde dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rendit et le donna à ses disciples en disant : prenez-le et prenez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Christ est venu se mettre à terre et donne la paix.
Le Seigneur soit avec vous.